Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter la plateforme de Hashing Headspace. Et en fait, il s'agit d'un passif income basé sur le pay to click. L'idée en général, c'est on vous paye en crypto-monnaie, en ASIMI, qui est le token de Hashing Headspace, pour voir chaque publicité. En général, la publicité dure 7 secondes. Donc, il y a deux manières d'être, disons, payé, entre guillemets, en ASIMI. Celle qui est actuellement en fonctionnement et qui est le Minting Ads, c'est-à-dire on vous paye pour voir une publicité et vous pouvez voir autant de publicités que de stakes. C'est-à-dire, actuellement, moi, j'ai 49 stakes et donc je peux voir et visualiser par jour 49 publicités et je peux gagner X ASIMI par visualisation par publicité multiplié par 49. Donc comment acquiert-on ces stakes? Donc un stake c'est l'équivalent à peu près de Et non, non, à peu près, exactement de 100 dollars en ASIMI. C'est-à-dire, vous devez acheter l'équivalent de 100 dollars en ASIMI. Mais vous n'achetez pas des ASIMI sur cette plateforme. Vous achetez les ASIMI sur l'exchange décentralisé de Wave Platform. Donc, je vais vous présenter plus tard Wave Platform dans une autre vidéo en détail. C'est-à-dire, vous acquérez les ASIMI sur un exchange décentralisé. Vous les achetez. Donc, pour une valeur de 100 dollars pour stakes. Et en fonction du prix de l'ASIMI, vous aurez plus ou moins de ASIMI par stake. Mais la valeur de chaque stake est fixe à 100 dollars par stake. Donc, une fois que vous avez le stake, c'est-à-dire la quantité équivalente de ASIMI à 100 dollars, vous faites un transfert de votre wallet sur Wave Platform vers, disons, la plateforme d'ici. D'accord? Vous établissez votre adresse wallet de Wave Platform, vous la mettez ici. Pour chaque fonction et pour chaque, disons, action que vous allez faire sur la plateforme de Hashing Headspace, vous avez une vidéo dans laquelle on vous explique en détail et des captures en vidéo de comment faire, c'est-à-dire l'action. Ici, comment ajouter votre adresse wallet. On vous le dit pas par pas et on vous l'explique. D'accord? Donc, on vous explique comment mettre en œuvre la wallet, comment la créer, comment et ainsi de suite, comment faire le transfert. Une fois que vous avez mis votre adresse wallet, vous allez sur Transactions et vous allez faire Wallet et dans laquelle vous allez évidemment faire Deposit Funds. Là aussi, vous avez une autre vidéo qui vous explique en détail comment faire le dépôt depuis And you'll see. la wallet de Wave Platform jusqu'à la Hashing Headspace. D'accord? Si vous avez besoin de plus d'explications après avoir visualisé la vidéo, vous me laissez un commentaire en bas et je vais vous faire, disons, des vidéos tutoriels détaillées pour chaque action. Donc, une fois que vous avez les tokens dans votre plateforme, vous allez sur sur ASIMI Stake et vous pouvez donc acheter les acquérir parce que réellement vous l'acquérez, vous les donnez, vous les stockez pendant un an. C'est pour ça qu'ils vous mettent 365 jours. Pour chaque stake que vous acquérez, vous avez 365
après 365 jours, on vous les redonne. En réalité, on vous les redonne peu à peu chaque jour. D'accord? Et une fois que vous avez au jour 365, vous allez récupérer le steak que vous avez acheté aujourd'hui. Donc, pour acquérir ce steak, vous devez avoir au minimum 160 à peu près assimis dans la balance. Une fois que vous faites continuer, vous allez avoir un écran dans lequel, une page dans laquelle on va vous faire un disclaimer, dans lequel on va vous aviser du risque de la volatilité du prix, et c'est normal, puisqu'on est dans le monde de crypto, de Bitcoin, de l'Ethereum, dans lequel la volatilité est assez extrême. Et donc, ici, comme je n'ai pas assez de fonds, donc ils ne me laissent pas acquérir ce stakes, une fois que vous avez acquis ce stakes, et immédiatement, dans votre dashboard, vous allez être actualisé, vous allez avoir 0 de 1. Et si ce compteur n'a pas encore atteint le 0,000, vous avez toujours le temps de consommer et donc de visualiser la publicité que vous venez d'acquérir. Vous venez d'acquérir le droit, un contrat, de visualiser chaque jour une publicité de 7 secondes pour laquelle on va vous payer X assimi par ad, par publicité. Donc il y a en fait 17 400 assimis à peu près par jour à se partager. Donc en fonction de combien de gens ce jour-là ont vu et regardé leur publicité, vous pouvez recevoir plus ou moins de assimis par ad. S'il y a moins de gens qui regardent les publicités, leur publicité, vous allez recevoir plus, puisque les 17 400 assimis vont être partagés entre, par exemple, 300 personnes. Et demain, s'il y a 1000 personnes qui regardent les publicités, vous allez recevoir 17 400 divisé entre 1000 personnes. D'accord? Et c'est ça l'intérêt de staking. Plus vous avez de stink, plus vous avez de publicité à regarder, et donc plus vous recevez de assimis par jour. C'est la stratégie que moi j'adopte. Et l'idée c'est quoi? Ok, je reçois les assimis, et après, en fait, une fois que vous avez les assimis, vous pouvez ensuite les retirer, les mettre dans votre wallet, dans Wave Platform. De la même manière que vous les avez achetés, vous pouvez les vendre à quelqu'un d'autre qui souhaite acquérir les assimis pour quoi que ce soit, pour faire de la spéculation ou pour faire du staking. Ma stratégie, depuis que j'ai acheté 38 stakes, c'est d'accumuler. Donc, en fait, plus de stakes vous avez, plus rapidement vous allez acquérir d'autres stakes et plus de stakes vous allez acquérir. Donc, mon idée, c'est de faire du compound interest, c'est-à-dire de l'intérêt composé, en choisissant de réinvestir les assimis que je gagne. Et comme j'ai assez de stacks, je gagne assez d'assimis par jour, environ, je crois que 38, quelque chose comme ça par jour, 38 assimis par jour, donc 34. 34 assimis par jour. Si en 4 jours, 5 jours, je peux acquérir un autre stake qui va accélérer encore plus mes gains, puisque je vais gagner plus de assimis par jour, et je réinvestis les assimis gagnés, et ainsi de suite. C'est ce qui fait que j'utilise ce qu'on appelle l'intérêt composé. Donc, je vais m'arrêter jusque ici. Je vais vous laisser un petit peu regarder la plateforme et vous habituer. Pour vous inscrire, l'unique manière de vous inscrire, c'est d'être invité. Donc je vous laisse le lien, mon lien de référé en bas pour que vous puissiez vous inscrire. Je vous recommande de vous inscrire maintenant parce que dans le futur, dans pas longtemps, ils vont lancer ce qu'on appelle le programme View to Earn. C'est-à-dire, on ne vous oblige pas à acquérir un stake pour voir une publicité.
Donc, vous pouvez le faire gratuitement, c'est-à-dire vous vous inscrivez et vous pouvez commencer par gagner des assimis en regardant la publicité. Ce que je ne sais pas encore, c'est, j'imagine que la différence sera, c'est que vous ne pouvez pas voir plusieurs ads par jour. Donc, vous serez limité par voir peut-être une publicité par jour. Mais je vous recommande de le faire pour vous habituer, voir si réellement c'est intéressant de gagner autant. Il faut savoir que le prix, il y a quelques semaines, le prix était à 1,71 $ par assimi pour une publicité pour 7 secondes. Je ne sais pas si on vous paye pour 7 secondes presque 2 $. Je ne sais pas dans quel travail on pourrait vous payer cela. Mais je vous répète que ceci est aussi un monde de crypto et dans lequel le prix peut varier énormément. Le prix actuellement, j'imagine qu'il est entre environ 0,6 $ ou 0,5 $. Mais comme moi, je suis dans une stratégie de compound interest, je ne suis pas dans le court terme. Ce qui m'intéresse, c'est une fois que la plateforme commence à se faire plus connaître. Donc, c'est là l'intérêt dans lequel, disons, j'obtiendrai plus de bénéfices grâce à ce qu'on appelle les rotaries. Donc, les rotaries, c'est, si vous avez 25 stakes, vous recevez à peu près 10% des actions, des commissions, disons, de ce que gagne le référé. Le référé reçoit 100% de sa commission pour voir et regarder les publicités. Et moi, je recevrai 10%. Et je suis proche du second. Et chaque fois, vous gagnez plus. Donc, j'imagine que lorsque le view to earning va être lancé, ça sera beaucoup plus intéressant. Je crois que ça sera tout pour le moment. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue pour une première. Je vous recommande de vous inscrire au canal pour avoir les vidéos et être notifié dès qu'elles sont chargées. Je vais aussi commencer à vous présenter le détail de la plateforme. Et si vous avez des questions ou des doutes, mettez des commentaires. Dites-les-moi dans la partie commentaire et je vais vous répondre dès que possible. Je vous laisse aussi le lien en bas pour vous inscrire sur Hashing AdSpace. Rien de plus que vous souhaitez une belle journée et au revoir.